Ah oui. Qui a écouté la fille de Fotso Vitor hier? Qui a écouté la fille de Fotso hier? Le direct de Fotso hier? Non, 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 ce n'est pas la polygamie comme certains. Vous êtes là, oh, c'est la. Non, ce n'est pas une affaire de polygamie. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Cette fille-là, c'est une fille que je remarque depuis sur la toile. Cette Nadia Fotso-là. Depuis 2017, hein. Depuis 2017, Nadia Fotso interpelle toujours Ndita et sa sœur. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, partagez le live. On va décrypter. Pour moi, c'est très enrichissant, son live. Très, très enrichissant. Beaucoup ne peuvent pas comprendre. Voilà. Elle a dit beaucoup de choses. Si tu veux faire partie, si tu veux faire partie d'une grande famille demain, comment t'en prendre? J'ai vraiment aimé ce live-là. Bon, je l'ai revu après. Hein. Je n'étais pas en live, mais j'ai vu son live après parce que j'étais occupé. Donc, dégagez avec ça. Ramon, Ramon c'est qui? Ramon, c'est quoi? Ramon, c'est qui? C'est le nom de qui, ça? L'agneau, moi, c'est que l'agneau, c'est un animal. Le Ramon, Ramon Nawati. Je vois certaines personnes sous-estiment cette fille-là. Non, elle est très intelligente. Elle est très intelligente. Elle dit beaucoup de choses. Ce que cache, ce qui est caché dans les grandes familles. Voilà, elle a expliqué. Tu vois beaucoup de choses, quoi. Voilà, comment donner son cœur à un enfant. Comment même un système peut te faire confiance à un enfant pour finir par t'abuser. Elle a dit beaucoup de choses. Hein. Et que ça serve de leçon, nous les pauvres, là, on se débrouille. Voilà. Nous les pauvres, on se débrouille. Voilà. Voilà la fille de l'un des premiers milliardaires les plus puissants du Cameroun. Voilà. Les premiers milliardaires les plus puissants. Moi, oui. Fosso Vitor fait partie des milliardaires qui étaient milliardaires en dollars. On va beau parler là. Parlons peu, parlons vrai. Ne discutons pas. Quand tu vois les investissements d'un homme comme Fosso Vitor, le père a été milliardaire en dollars. Oui. Et le système l'a rendu pauvre. Le système, le régime de Yaoundé l'a rendu pauvre. Puisque dans un système, qu'est-ce qu'on fait? Un système dictatorial comme celui de Yaoundé. Mon ami, tu es célèbre, on te regarde. Alors, tu peux rouler pour nous. Quelle que soit ta position, quand tu es déjà connu, tu es célèbre, on te copte. Sinon, on te met les bâtons dans les roues. Voilà. Il y a des choses que les gars comme Samuel Eto'o ne font pas pour rien. C'est par rapport, c'est clair. Tu es obligé. Voilà. Sinon, on ne t'accorde pas les faveurs. C'est clair. Tu as l'argent, on te copte. C'est clair. Voilà, on te fait les yeux doux. On t'ouvre les portes. Mais le jour que ça va mal, on te ferme les portes. Si on sent que tu ne cèdes pas. Et beaucoup n'ont pas compris. Voilà, cette fille-là, elle sort depuis les années. Et puis moi, au départ, elle dit, mais la fille, elle veut même quoi? Elle veut quoi? Elle veut quoi? Mais au fur et à mesure, quand tu l'écoutes, non, tu comprends. Son combat n'est pas le combat des deux de sang caleçon. Elle explique tout dans la vie, en fait. Cette fille a beaucoup parlé. 1h30 minutes. C'est ce matin que j'ai bien écouté son live. Voilà. Et c'est enrichissant, hein. C'est très enrichissant. Pour certains qui disent que non, non, c'est très enrichissant. C'est pas ton niveau, en fait. C'est le live de ceux qui veulent être millionnaires, qui veulent être milliardaires. En fait, c'est une vie, ça dit tout. C'est-à-dire que là où il y a argent, il y a sexe, il y a trahison, il y a manque de confiance. C'est la guerre de positionnement. Ce n'est pas une affaire de polygamie. Non, c'est la guerre d'argent. Là où il y a argent, il y a le sang. Là où il y a l'argent, il y a le suspense. On a peur de chacun. Là où il y a l'argent. Les intrus s'imposent. Attendez, si dans nos petites familles là, où on est pauvres là, on est des petits débrouillards. Combien de fois il y a des hommes qui viennent aimer notre soeur pour pouvoir gratter un peu, pour avoir besoin de la couverture, pour avoir besoin de l'aide. Il y a des familles où un gars vient jouer au gigolo. Parce qu'il veut que vous les frères qui avez un peu, ou bien vous les soeurs qui avez un peu, hein, l'aider.
Parce qu'il sait que vous allez aider votre soeur. Et pour cela, vous allez aider. Vous allez l'aider. Il va profiter de vous. Donc, cette fille a tout parlé, en fait. Voilà. Sans toutefois indexer quelqu'un. Et non, Nadia a parlé. Et que ça ouvre le cerveau des gens. Voilà. En fait, ce n'est pas. C'est un direct enrichissant. Ça fabrique l'homme. Le direct de Nadia, ça te fabrique. Ça interpelle tous les débrouillards de ce monde-là. Que non, celui qui a l'argent est trop heureux. Non, détrompe-toi. Voilà. Si tu as l'argent, tu n'es pas malin là. Tu confies tout à un enfant. L'enfant là va te duper. Et ça revient à ce qu'on se rend compte que. Est-ce que le duré de cette fille là te fait comprendre que. Le petit là qui était au Ngata là, son grand frère qui était en prison là. Tu sens que ça avait la volonté de son père. Et le père en sortant a dit, je vais te faire laisser. Mais. Donc le père a senti même sa mort. Ah oui, le père a senti sa mort. Elle explique tout, non? Le père a senti sa mort. Elle a dit, l'enfant s'il m'a volé. Il a dit, l'enfant s'il m'a volé, mais pour l'amour de Dieu, des ancêtres du village, en tant qu'un Bams, Bantou, je ne tue pas l'enfant pour l'argent. Mais l'enfant s'il peut me tuer pour l'argent, je vais te faire, on va te laisser. Mais oui, c'est vrai. Quand vous regardez au fond, là, les histoires là, les arrestations, là, les Marafat, Amidou, Yaya, tout ça, c'est les histoires. C'est vrai ce que Alice, comme avait dit. On avait déjà remboursé l'argent. Ah oui. On avait déjà remboursé l'argent. Donc, c'est le père qui a dit que, l'enfant, si tu me fais ça. La fille explique tout, hein. Bon, comme elle est handicapée, comme on dit. Voilà. Bon, je pense pas qu'elle est moche, hein. Elle a été frappée par une maladie. Elle a expliqué l'histoire, là, une fois. Elle a été frappée par une maladie, une fois, là. Et puis, voilà, ça l'a paralysée. Quand tu la vois. Quand tu la vois, elle n'est pas du tout moche. C'est la maladie qui l'a transformée, paralysée et puis voilà. Elle est bien intelligente. Elle n'est pas seulement intelligente, elle est sage. Elle touche les points que si tu n'es pas intelligent, si tu n'es pas un wise man en fait, ce n'est pas une affaire d'école. Son life, il faut être un wise. Elle est les deux à la fois. C'est ce qu'on dit dans la vie. Quand Dieu te refuse quelque chose, il te donne autre chose qui te rend plus puissant, pugnace. Elle dit. Elle n'est pas seulement intelligente. Bien beau, elle est partie à l'école. Mais elle est sage. Elle est sage. Elle est wise. Donc, on a dit, en fait, j'ai toujours dit, regardez même dans les pays arabes. Regardez les arabes. Les arabes adorent plus les enfants qui sont touchés d'une maladie. Regardez bien les familles riches là. Regardez bien les familles riches. Regardez bien les familles riches là. Même dans les pays arabes, les familles, les dynasties, les riches. Même ici là. Je vois les Indiens, les quartiers des Indiens ici là. Ils sont ici là, à Sunte. J'ai travaillé avec un Indien ici, je partais chez lui. Il avait son enfant là, que quand on entrait comme ça à la maison, il part d'abord là-bas. Il va d'abord voir son enfant là, comment il se porte. Tellement il aime l'enfant là. C'est un enfant quand il sort là, il a une maladie là. Donc il y a les gardes du corps derrière lui. Parce qu'il va casser tout. Il va casser. Donc si on ne l'arrête pas, son père va se voir en train de payer les factures là-bas. 5 000 $. Parce que quand on va dans les malls là, il faut le garder. Il faut le garder du corps pour le bloquer. Parce que tout ce qu'il voit, il veut casser. Tout ce qu'il voit, il va que casser. Un beau garçon, debout. Lui-même d'abord debout. Vous connaissez les Indiens là. Donc il est d'abord debout, costaud. Donc ça veut dire que pour sortir avec lui, son père était obligé de chercher, de prendre 5 gardes du corps pour qu'on le bloque. Donc son père appelle la société ici là. On vient l'escorter. Et peut-être il faut qu'il sorte comme ça au moins 2 fois par mois. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Quand les gars là rentrent, eux-mêmes, ils sont fatigués. Ils crient que Adou, Adou. L'Indonésien Adou veut dire ça l'a surpris. Adou, il est fatigué. Adou. Quand l'Indonésien dit ça, ça veut dire qu'il est fatigué. Oui, les gars. Donc, ça veut dire, cette fille-là explique tout, en fait. Donc, elle ne parle pas n'importe quoi. Et le genre d'enfant là, pourquoi le genre d'enfant là, les papas les aiment parfois? C'est parce que l'enfant là ne peut jamais te trahir. Mais oui, l'enfant là ne peut jamais te trahir. C'est l'enfant le plus honnête. C'est comme mon frère adoptif. Mon frère adoptif qui est Bassa. Mon frère adoptif qui est Bassa. A un frère qui a été paralysé dans l'enfance. C'est son frère le plus aimé. Parce qu'il ne peut pas te tuer. Il ne peut pas te tuer comment? Il va faire quoi l'argent? D'ailleurs, c'est le seul frère fidèle à toi. Dans le genre d'enfant là, les Arabes ont compris. C'est le genre d'enfant qui ne peut jamais te trahir.
Il sait même que tu vives à jamais. Tu vives à vie, jusqu'à l'éternité. Il ne veut même pas que tu meurs. Et il est comme ton gardien. Il attire ton attention. Le genre d'enfant. Mais puisque il veut que tu continues à exister, ça veut dire qu'il protège tes biens. Mais pendant ce temps, il y a un enfant à côté qui regarde. C'est son intérêt personnel. C'est pas une affaire de polygamie. Là où il y a l'argent, il y a la jalousie, il y a la haine, il y a la division. L'argent divise les gens. Attendez, ceux qui s'aiment plus là, je connais des familles polygamies. Le père, moi, il n'a rien laissé. Les gars s'aiment. Laissez ça. Les gars s'aiment. Ce n'est pas une affaire que c'est la polygamie. Quelle polygamie? Dans les familles où le frère ne se parle pas là, même père, même mère, c'est la polygamie. Ah bon, hein? Dans les familles où la petite soeur tape le dos de sa grande soeur là, prend le mari de sa grande soeur. Je connais une qui est sur la toile ici là. J'ai pas envie de parler. Son mari, c'était le mari de sa grande soeur. On a seulement géré en famille. Je dis bien que elle était mariée. Sa grande soeur était mariée dans mon quartier. Son mari l'a fait cadeau de la maison. Son mari a fait cadeau de la maison à sa grande soeur et les enfants. Parti avec la fille là qui est sur les réseaux sociaux ici là. Une fille qui est sur Facebook. Ce que bon, ça m'intéresse pas. Vous parlez quoi là? Sa soeur, même père, même mère. On a géré en famille. Parce que le mari a un peu l'argent. Vous parlez même quoi, ça qui n'ont pas de sens. C'est une affaire de... Quelle polygamie, arrêtez ça, vous êtes trop minable. On parle de beaucoup d'argent. Fonso Vito fait partie des riches milliardaires africains. Il avait l'argent, mais c'est le genre d'homme qui se cachait. Comme les Bamileke de l'époque là. Imaginez, un gars comme ça, s'il vivait, il pourrait avoir quel âge, le père là? Il est mort à plus de 90 ans. Imaginez. Bah, le voilà. Alors, la femme explique tout. Et le genre d'enfant, le père se confie à elle. Le père ne cache rien. Elle lit, elle voit des choses. Mais oui, c'est vrai. Mais oui. Donc, c'est pour dire que quoi, la famille, donc, faisons beaucoup attention. Voilà. Faisons beaucoup attention, les gars. Faisons beaucoup attention. Ah oui. Faisons beaucoup attention. Donc, elle a dit beaucoup de choses. Vraiment, c'est enrichissant. Et que ça nous éduque. Faisons attention à nos enfants. Voilà. Voilà. C'est pas parce qu'un enfant est là. Il te montre qu'il est un homme d'affaires. Tu lui confies tout, tout et tout. Fais attention. Fais attention. Et j'avais fait une vidéo sur ça même. Voilà, les enfants qu'on aime tellement parce qu'on pense qu'ils sont vaillants. Non, laisse ça. Laisse. Elle a tout dit en fait. Que si on enlève le nom Fotso, eux là, ils sont quoi? Et c'est vrai. Donc, en fait, elle t'explique tout. Donc, je pense que c'est indirect que le pauvre débrouillard, chacun a sa côté part dedans. C'est-à-dire que chacun a sa version, chacun se retrouve dans son life. oui. Chacun se retrouve dans son life. Elle dit que, dites-moi, si on enlève le nom Fotso sur les noms là, ils deviennent quoi? Ils ne sont rien. Mais oui, elle fait attention, elle ne fait pas la discrimination. Elle parle même de ses propres frères. Même père, même mère, son frère qui lui-même qui a pris sa part de société. Elle parle de son propre frère qui a pris sa part de société. Oh, ah. Alors, une dynastie qui commence à se diviser, mon ami, le nom va mourir, c'est clair. Il est difficile, même chez les Watt, même chez les Asiatiques, partout là, les grandes familles, de diviser les biens. Vous ne serez plus puissant. Vous ne serez plus puissant. On est puissant quand les biens sont unis. Mais dès lors qu'on commence à diviser les biens, c'est fini. Vous perdez la puissance. Mais vous perdez la puissance. Imaginez la famille royale en Angleterre. On se met à diviser les biens aux enfants, aux petits-enfants. Vous perdez votre puissance. Quel est ton problème? On gère. Il y a un fonds pour la famille. Les biens sont là. Inséparables. Indivisables. C'est clair. Mais dès lors que chacun prend sa part, le nom va mourir. Le nom va mourir en fait. Et tu comprends même que je cherche même l'argent. Même pourquoi alors à la fin? Ok. Je dois avoir l'argent et finir comme ça là? Ou bien comment? Mais attendez, je me souviens, j'étais à Banjoun quand on a arrêté le petit là qui venait des États-Unis là. On a tiré l'âme en l'air. On a tiré l'âme.
Les gens sont en désaccord. Quand là où il y a l'argent, ça sent les problèmes. Donc c'est pas une affaire de. C'est pas une affaire de polygamie. Arrêtez ça. C'est pas une affaire de polygamie. La polygamie n'est pas ton frère dans ta famille. L'homme, qui t'a abusé? Ce n'est pas ta mère. Les gens donnent les terrains. Les gens envoient l'argent du terrain à leur père. Le père abuse. Il peut épouser la deuxième femme. Tu envoies l'argent à ta mère. Elle commence à entretenir son show. Parce qu'elle est veuve. Parlons comme ça. C'est l'affaire d'argent. C'est une affaire d'argent. Alors. Et vous croyez que l'Angala n'a pas un peu? Elle a un peu. C'est ça. Regarde comment elle est propre. Elle est fraîche. Donc, en fait, à un certain niveau de la vie, quand on a eu beaucoup d'argent dans la vie, on n'a plus un problème d'argent. Alors, on a un problème d'honneur. Et quand tu vois, elle parle de l'honneur. Elle dit tout, en fait. En fait, elle dit tout à l'intérieur. Et que l'autre, là, lui, connaissait. Il connaissait tout. Donc, on est là, on va avoir pitié de lui. Non. Il connaissait tout. Elle a tout. En fait, c'est une mafia. Une mafia qui ne se limite pas. Non, ce n'est pas le sang qu'a le son. Je vois certaines personnes. Ce n'est pas le Congo, ça. C'est toute une vie. Ça va jusqu'à étourdi. Ça va jusqu'à étourdi. C'est le schéma. Vous voyez à quel niveau le système, un régime, l'État peut influencer même dans tes biens, même dans ta richesse après toi. Donc regardez bien. L'État peut imposer un héritier. Mais oui. Donc tu peux avoir l'argent demain là. Tu choisis ton héritier, oui c'est lui. Mais l'État veille à ce que l'administrateur des biens soit de leur système. Elle a tout parlé. Que vous regardez trop la femme de la star. Non! Même celui-là, Ongata, est très dangereux. C'est lui qui a choisi tous les dos. Elle m'a ouvert le cerveau. Nous, là, on voit le gars, il est Ongata. On sait que. Fais attention. Celui-là est très violent. Même Ongata, il a l'argent. mais oui, gars, elle m'a ouvert le cerveau. Hein. Nous, on est beaucoup là, sont seulement là en train de voir. On voit, elle parle de sa famille. Elle ne parle pas de sa famille. Non. Attendez, c'est les dynasties. Comme dans les grands pays. Ce n'est plus une affaire de famille. C'est l'histoire, ça fait partie du pays. Les Fonso Victor, c'est l'histoire du Cameroun. C'est comme les Sous-André. C'est comme les Sopo Piso. C'est l'histoire du Cameroun, les gars. Ils font partie de ceux-là qui embellissent le Cameroun. Les immeubles qui sont là, ils ont pour eux. Toi, tu as combien d'immeubles à Douala? Tu vas dire non, c'est pas une affaire de famille. Quand les gens ont des immeubles dans une ville, mon ami, on ne peut pas s'en passer d'eux. On doit les écouter quand ils parlent. C'est toi, tu es de quelle famille? Tu es qui? Même dans les grands pays, quand on parle, les Bernard Tapie sont morts. Ils n'avaient plus assez d'argent. Mais quand ils parlent, on l'écoute. Toi, tu es qui? Voilà, Alain Delon, un acteur. Hein? Quand on parle des familles en France, les Bolloré, la mère, si on appelle qui là? Renault là, les familles Renault là. Hein? Mais quand ils parlent, on doit parler. Quand ils tous, il y a un problème. Vous parlez quoi comme ça qu'ils n'ont pas de sang? Comment dire que non, c'est une affaire? C'est pas une affaire de famille, non. C'est pas une affaire de famille. Ça fait même partie de l'économie du Cameroun. Vous parlez même comme ça. Donc, on va te. Alors, mon ami, il y a des gens qui sont des patrimoines. C'est comme les Dangote au Nigeria. Les familles, les UBA. Non, frère, tu parles quoi là? Tu parles comme ça que tu vas venir nous parler que mon ami, quand tu es à Aquala, pas quand tu vois Aqua Palace, tu es fier de te vanter avec. Que regarde comment mon pays est beau. Mais le pays est beau parce que les gens ont mis des immeubles, non? Donc, mais oui, c'est vrai. Donc, oui. Et parmi les Camerounais, il y a des Camerounais. Parmi les Camerounais, il y a des Camerounais. Mais oui, c'est clair. Qu'il faut respecter. C'est clair. Respectez pas parce que ils ont tout été du côté du peuple. Non. Il faut respecter au moins les efforts qu'ils ont fournis quelque part. Hein? Donc c'est pour dire qu'il faut respecter ça. Elle éveille les gens comme celui-là, mais il connaissait là où il partait. Elle a fait des ADN, mon frère, il vient embrouiller les gens, il connaissait déjà. Maintenant, et dans ça, il y a la mafia. Il y a une mafia à l'intérieur. Elle dit ce monsieur connaissait déjà tout. Tu es venu rencontrer un gars qui avait dans le belet, tu as accepté parce que tu sais qu'il a les dos. Mais c'est clair. En tant que Mouna Bobo qui a à côté de son père, accroché à son père. Oh, parce que si tu as vraiment tes dos, je connais des gars qui ont épousé des familles Mouna Bobo. Pas le genre de Fonso Victor. Mais le gars, comme il avait un peu, il a tiré sa femme.
Et par la suite, le temps lui a donné raison. Je viens que j'ai connu des amis dehors. Le gars rentre, il a son argent. Le gars investit ça un peu. Le gars a épousé sa femme. Il a dit, chérie, je sais, ton père a l'argent. Mais pardon, viens pas créer pour nous. Je vous dis que 20 ans plus tard, le père est mort, c'est la bagarre, c'est les machettes. Quand on vend l'immeuble, quand on appelle sa femme que viens signer, elle passe mal, elle signe. On donne sa part d'argent, elle se cherche. Mes frères ont décidé de vendre. Moi, je vais faire comment? Je vais faire comment? Moi, j'ai les grands frères qui peuvent m'accoucher. Donc, j'ai les neveux. La femme te dit que j'ai les gars, j'ai les neveux qui m'accouchent. J'ai les neveux qui ont mon âge. J'ai les neveux qui peuvent m'accoucher. Moi, je vais dire quoi? Tu veux qu'ils viennent me taper ici là? Ils vont me taper ici là. Tu vois, quelqu'un a une soeur, une grande soeur qui est derrière magistrate. Elle m'a fait partie de ceux qui veulent vendre. Qui bafoue l'honneur de la famille. Qui bafoue l'honneur de la famille. Donc, beaucoup fait attention, les gars. Donc, elle a dit beaucoup de choses que ton héritier. Elle a dit beaucoup de choses qui attirent ton attention. Ton héritier n'est pas obligé d'être un garçon. Mais oui. Et je vous ai rappelé ça une fois. Ici, là. Que je connais une famille un peu bien en Banga. Où l'héritier est une femme. Et le papa, là, aujourd'hui, peut mourir. Il est à mort, qui se repose en paix. Je vous dis bien que cette femme-là attire mon attention. Tu n'es pas obligé de dire que non, comme chez nous, les Bamileke, non, le garçon. Eh, hey, laisse ça, laisse. Même ta fille peut protéger tes biens. La fille-là attire l'attention que tu n'es pas seulement obligé de te concentrer sur ton garçon. Même ta fille peut protéger tes biens. Mais oui, bien sûr. Mais oui. J'ai une femme ici, là. Les frères, le père a laissé les maisons partout, bastos, à quoi? Ils ont vendu. Jusqu'à vouloir même vendre la maison familiale, qui est sur 2000 mètres carrés. Elle me dit que Mbanga, je ne signe pas le tout, s'ils vont me tuer. Les gars sont partis même trouver la sœur en France là-bas. Elle a dit que je ne signe pas. Donc, grâce à elle, il y a la maison familiale encore qui existe. Grâce à elle. Mais oui, les garçons là, ils veulent dilapider parce que chacun va aller créer son empire. Ils ont peur de faire avec les autres. Elle attire l'attention de chacun. Donc, chacun a son petit côté. Même le Congo, c'est il y a tout. Mais restons droits. Chacun a son petit côté à l'intérieur. Chacun se retrouve dans l'histoire des fautes. Là où il y a l'argent. Nous qui cherchons l'argent là. L'argent est bien. Mais voilà aussi les dégâts collatéraux. L'argent est bien. C'est les dégâts collatéraux aussi. Il y a trop de problèmes. Voilà. Il y a tout dedans. Gnorcé, tout et tout. les enfants riches. Ah oui, ils sont riches. Ah oui, non, oui, c'est les enfants des bourgeois. Oui, non, c'est des bourgeois, non, les gars. Non, quand tu parles, quand toi-même tu la vois, elle parle. Est-ce qu'elle est engueulée? Non, elle chope bien. L'angala ne jambe pas sa part. Je peux même jurer que la fille là-même, c'est 2 milliards quelque part. Elle ne jambe pas. Quand tu vois celle-là. En fait, tu sens que c'est l'argent de Mouna qui est Gombeng. Je crois qu'elle est née aux États-Unis. Et puis après, ça l'a chopé une maladie. Ça l'a paralysé. Son histoire. Elle a écouté son père, là. Le genre d'enfant, là, donne tout sa part. Le père donne tout sa part. Parce que le père constamment en bain, il trouve sa fille. Et c'est la seule, le genre de fille, là, que tu peux donner tout. Tu peux laisser le sac d'argent. Elle ne touche pas. Elle fait quoi? Elle fait non. Ouais. Elle veut absolument l'amour de son père. Parce qu'elle aime son père naturellement. Puisque Dieu ne lui a pas donné tout. Ça veut dire, comme je vous ai dit, les pays arabes, les enfants, parfois un peu paralysés, qui souffrent d'une certaine maladie, voilà, sont toujours plus aimés. Parce qu'on sait que celui-là, c'est celui-là qu'on ne peut pas passer par lui pour te tuer. C'est clair. Et ça ne manque jamais. Un peu comme on dit le meilleur ami de l'homme. Le chien, les animaux de maison. Voilà. Mais lui là, c'est que c'est un être humain, fidèle à toi. Comme je vous ai dit, mon frère adoptif Bassa, tu ne peux pas le voir sans son frère. Non, jamais. Tu ne peux pas voir mon frère adoptif sans son frère. Jamais de la vie.
Puisque son frère, c'est un maladif. Non, tout, il fait le Congo ça. Il est là, si tu penses qu'il n'écoute pas, il écoute tout ce que vous entendez parler à son frère. Il va aller dire, il fait quoi l'argent? Il fait quoi avec l'argent? Mais oui. Donc, faites attention, les gars. Donc, que chacun se retrouve dans ce live. Je vous interpelle à aller écouter ce live. Chacun a sa petite position. D'ailleurs, chacun a sa part de chapitre dedans. Chacun a sa part de chapitre dedans. D'ailleurs, elle te démontre que non, fais attention. Vous êtes là, vous honorez quelqu'un. Vous croyez qu'il avait l'argent. Mais mon ami, il n'a rien. C'est l'anga qui le met à l'aise. L'anga qui n'a... Oui, c'est vrai. Et qu'avec le nom que tu as là, si tu exploites ça bien, ça peut t'ouvrir toutes les portes. Tu peux épouser même la fille d'un multimilliardaire. Elle a tout dit. Que tu vois, on a accepté l'autre comme un gros bras pour bloquer la voie à l'autre parce que... Eh, mais dis donc. Eh, attendez. Mais attendez. Elle te dit qu'on a, que le père a accepté parce que il était déjà adulé par son fils. On accepte l'autre parce qu'il a une renommée internationale. Voilà, son image un peu peut apporter un plus à côté du père. Que voilà le beau-fils. Hein, voilà le beau-fils de l'international. Voilà le beau-fils du milliardaire. Et voilà aussi le beau-père de l'international. Que ce n'est pas l'amour. On t'accepte, oui. Mais tu es là comme un gros bras. Elle a bien dit. Elle a dit que l'international, c'est un gros bras. Donc, elle est bien, elle insiste bien. Elle dit qu'on a accepté l'inter. Vous croyez qu'elle est bête? Non. Elle dit que si tu passes seulement à l'école, tu ne peux pas écouter, tu ne peux pas dire ce que la fille a dit. Elle parle beaucoup de choses en parabole. Elle code beaucoup de choses. Elle cite les noms. Mais elle code. Il faut être wise pour écouter. C'est-à-dire qu'elle est intelligente. Mais en même temps, elle est sage. Tu sens le genre d'enfant qui a vécu trop avec son père. Tu sens une fille cultivée. Elle te dit que l'autre frère adulait tellement le père. Le père a senti un danger. Il dit que qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Ok, je t'accepte, épouse le gars là. Maintenant, le gars aussi sait qu'il vient comme ça entrer dans une famille où il y a les dos. Il en gava l'entretenir. C'est tout à fait normal. Mais il connaît déjà ce qui se passe. Petit frère, quand tu aimes ta femme en vrai, et que tu es bien, que tu as tes dos, tu la laisses pas à côté de tes parents. Mais c'est clair. Mais oui. Je dis que quand tu as tes dos, et que tu es un homme noble, tu ne laisses pas ta femme auprès de tes parents. Et l'anga de notre international a toujours été à côté de son père. Si tu laisses ton père, ta femme à côté de son père toujours, ça veut dire que tu es quelqu'un qui ne veut pas évoluer en solo. Tu ne veux pas construire ton monde. Ça veut dire que tu es quelqu'un d'intéressé. Et intéressé. Moi, attendez-moi, mon ami, attendez-moi. Qu'est-ce qui me fait fuir Mbanga? Qu'est-ce qui me fait quitter Mbanga? Je me rends compte que toute ma famille est là-bas. Quand je rentre au Cameroun, j'habite là-bas. Ma femme, constamment, elle peut au marché. Elle tape les bas 2 heures de temps. Mais attendez, mais c'est quoi? Non, j'étais à la maison voir. Puisque ma femme habite au quartier administratif de Mbanga. Donc les parents sont à côté. Et le marché est à côté. Il dit que, mais avec la lutte, je vais m'en sortir. Mais comment? Elle dit que, mais attendez. Attendez, ma petite Yari Bodjet. Comment je vais laisser que ma femme, chaque temps qu'elle n'est pas au marché, pas voir sa mère? C'est que. Alors, je dis, non, frère, je dis, on déménage. On déménage. J'ai loué la maison à Douala. J'ai versé 1 an cash. Attends, je me suis vu. On me tournait chaque temps. Maman va aller à Douala, on va laisser notre maison ici à qui? Ouais. Maman. Hé, les vacances voulaient la finir. C'est comme ça qu'un matin, je suis parti chercher au camion. Que portez-moi tout ça. C'est comme ça que j'ai déménagé. Mais oui, c'est vrai. Un vrai homme, elle a tout expliqué en fait. Elle a tout expliqué. Que vous voyez comment tu peux avoir ton argent, mais tes enfants te mettent une pression qui n'a pas de nom. Avec la complicité du régime. C'est pas une simple affaire seulement, hein. Tu t'amuses là-bas, ça prend ta tête. Hein. Ah ou vous allez voir, voilà un monsieur qui a plus de 100 enfants. Il a plus de 50 enfants. Vous allez voir qui parle. Parce que le genre où on dit à chacun que voilà ta part, prends ta part comme tu as pris la, mange ta part. Parle, on ne nuit à personne.
Mais tu t'amuses, tu ne sais même pas celui qui va sortir l'arme sur toi. Donc arrêtez ça, dis-donc. Lui-même, il est venu se chercher. Vous allez là vous dire que c'est un gros radin en quoi? L'exemple a prouvé que tant que je ne vois pas un footballeur avec sa part de club, d'équipe, d'un club, qu'il a mis aussi sa part d'argent dedans, je ne crois plus à ce montant d'argent-là. On a compris le monde. Le monde, c'est le Shiba. L'UEFA, la FIFA, c'est une organisation. La CAF, tout ça, c'est une organisation. Qui dit organisation, il y a le vrai, il y a le faux dedans. On augmente les chiffres. Quelqu'un a 100 millions, on lui dit que tu as 1 milliard. Mais oui, est-ce qu'on te pique? C'est la chose. Mais c'est qu'un monde de ça que les gens jouent au ballon. Ils signent des contrats, des millions de dollars, les centaines de millions de dollars. Mais personne d'eux, à la retraite, n'a un club. Montrez-moi le club de Samuel Eto'o. Montrez-moi le club de Samuel Eto'o. Montrez-moi le club de George Weah. Montrez-moi le club de Didier Drogba. Montrez-moi le club de l'autre. Ils sont nombreux là, les Didier, les coachs. Montrez-moi le club de Adebayor. Ayou Pelé. Montrez-moi le club de Ayou Pelé. Hein? Montrez-moi le club de tous ces joueurs-là. Mais qu'est-ce qui ne va pas là? Arrêtez-moi ça. Moi, je pense que c'est le Shiba. Comme j'ai dit. C'est le Shiba. C'est le Shiba. C'est le Shiba. Et tous ceux qui ont le club sont des débrouillards. Sont des débrouillards. Apparemment, ils n'ont pas d'argent. Mais ils ont des clubs de football depuis les années. Mais comment le footballeur lui-même, qui a exercé dans le football, qui te dit qu'il y a l'argent dedans, lui-même il ne finit, il n'a pas de club. Mais comment? Pour finir, chacun veut que l'instance fêtière, chacun veut être à la fédé, à la fédération. Didier Drogba va être président de la FIFA là-bas chez eux. Samuel Eto'o est président de la FIFA, fait qu'à foot au Cameroun. Tout, mais attendez, mais si le football a vraiment l'argent là, pourquoi vous ne mettez pas l'argent dans le football? Donc petit frère, laissez les montants d'argent qu'on vous parle là, qu'il avait l'argent, laissez ça. On vous dit que le footballeur, là, d'abord, c'est un joueur de taper-taper. Il dit qu'il a souffert seul pour avoir son argent. Mais c'est clair. Mais oui. Mais l'argent, là, où alors? Mon ami, un homme qui a l'argent, il a sa main. Est-ce qu'il tourne aux côtés d'un gars? Non, 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 il tire son gars ailleurs. Il n'y a que celui-là qui attend de la belle famille, de l'anga, qui laisse son gars tourner autour de, de ses parents. Arrêtez ça. Et la richesse aussi, c'est une affaire de mentalité. Hein? Voilà. La richesse d'un homme d'abord, c'est sa dignité. C'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit. Il y a des gens qui ont l'argent. Mais sa gestion lui démontre à lui, comme il est un mauvais gestionnaire, que l'argent s'y va finir. Donc je m'accroche ici là. Parce qu'un jour, quand mon argent va finir, celle-ci va m'aider. Ça veut dire que tu es un pauvre. Ça veut dire que tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'argent. C'est clair, c'est bien d'appeler son beau-père, c'est bien d'appeler son beau-père, c'est bien d'appeler sa belle-mère. Mais il y a les gars qui sont obligés d'appeler chaque temps la belle-famille parce qu'ils sont partis quelque part où ils savent qu'il est un incompétent. Parce qu'à toute heure, il faut qu'il garde les bonnes relations. Parce qu'à toute heure, chérie, appelle papa là-bas, il me prête même 2 millions, même 3 millions. Mais tu fais quoi avec ta part? Parce que ta part, tu passes ton temps dans les boîtes de nuit, tu vis une vie au-dessus de tes moyens. Tu es un pauvre type, tu es un irresponsable. Tu joues le jour, tu vis le jour le jour. Mais un homme qui pense au lendemain, il sait qu'il a une famille. Que moi, je dois être un vrai homme. Mais attendez, ne vis pas ce genre de vie de débauche là. Il vit au-dessus de tes moyens. Attendez, comment? Comment? J'appelle mon beau-père pour le saluer, oui. J'appelle ma belle-mère pour le saluer, oui. Même si j'ai un beau-frère qui est milliardaire, monsieur. Je te salue, oui. On a de bonnes relations. Mais pas le genre où, parce que j'attends. Parce qu'il y a des gens qui se conforment. Tu vois, il salue son beau-frère. Tu sens qu'il n'est pas un homme. Tu sens qu'il n'est pas un homme. Ils sont nombreux ici dehors. Tu sens qu'il n'est pas un homme. Il n'a pas de couilles. Parce qu'on l'aide chaque fois. C'est toujours lui qu'on aide. Petit salopard. Tu es un gigolo. Tu es un gigolo. Mais c'est vrai. Mais la vie, hein. Non, non, non. Nadia, Fotso. Tu m'as éveillé, ma petite. En fait, c'est un paquet là, tu as. Désolé. Tu es une grande fille. La fille d'un milliardaire est un milliardaire. C'est pas le genre de milliardaire que nous on crie chaque jour là. Voilà la fille d'un milliardaire. Regardez son clash. Elle n'a pas dit le mboumou de la maman de quelqu'un. Mais son clash, ça pénètre. Dont les concernés vont ressentir. Vous voyez, non? C'est nous les pauvres. Ah, la pauvreté, c'est un problème. Voilà une femme
C'est-à-dire qu'elle raisonne chacun à son niveau. Elle donne son point de vue. Mais tu te rends compte que c'est un clash. Mais sans t'en rendre compte. Voilà. Mais tu vois. Donc elle clash. Tu te rends compte que c'est un clash. Mais sans t'en rendre compte. La mouna tété, non? La mouna tété, on vous dit chercher l'argent, vous refusez. Ouais. On vous dit chercher l'argent, vous refusez. Et qu'il faut. Pourquoi vous faites comme. Hein, si c'est ta matronne, hein, Sandrine Tchamba. C'est ta mapa. Si c'est ta matronne, elle va parler que you shiul. Yes, si, cela. You las. Mboumou for your mami. Tout ça. Non, c'est pas un clash. Laissez les affaires là. Laissez les affaires là. Ce n'est pas une affaire d'école. C'est la classe. C'est pas une affaire d'école. C'est la classe. C'est son milieu. Ok? Voilà. Même quand tu es dans ce milieu là, même si tu n'as pas fréquenté, tu te conformes. Laisse. Ouais, salut ma soeur. Comment non? Bonjour, tu dors? Mais les gens ne t'ont pas appelé. Ok, merci, c'est ce que vous voulez dire. Ouais, je suis en direct là. Ok, les gars, le produit est arrivé. Donc, Sandrine Tchamba, donc dans quelques jours, tu reçois ton colis avec ma soeur Jeanne Poupa, mes fans de Paris. Mes femmes de la Belgique, il y a Vicky qui va recevoir son colis. On dit que le colis est arrivé. Donc j'appelais comme ça ma collaboratrice du côté de la France. Elle me dit qu'on lui a livré le colis hier. Voilà. Je suis très content. Mon cœur, ça m'énervait déjà là. Donc il y a le café de Bornéo déjà du côté de Paris. Donc tous ceux qui sont en Europe, passez vos commandes. On va vous servir. Ah, merci Seigneur. Est-ce que vous savez que j'ai envoyé 100 kilos de bagages depuis un mois. 100 kilos de marchandises depuis un mois. Regardez comment ça me tourne là comme ça. Là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On m'envoie l'email ici là. On envoie l'email à ma collaboratrice ici là. La bonne dame ne regarde pas son téléphone. Qu'il fallait juste remplir une information. La bonne dame a oublié. Ça ne pouvait pas partir. Ça fait presque deux semaines ici là. Donc maintenant là, On a rempli l'information, tout et tout. Maintenant, voilà ça qui est parti. Comme vous voyez là. Donc, c'est quoi depuis là? Je ne parle plus trop, voilà, des produits à Paris, tout et tout. Donc, ma soeur Sandrine Tchamba, voilà, tes colis sont arrivés. C'est pour mes fans, hein, c'est pour mes fans. C'est quelque chose que j'avais promis depuis. Ok, c'est pour mes fans. J'avais déjà promis ça depuis. Donc, j'avais promis ça depuis. Les thé même, il y a le thé. Voilà, il y a le thé. Donc, voici le thé là. Le thé est arrivé. Donc, pour tous ceux qui veulent perdre du poids, je te conseille, tu prends le thé ici avec Lily Céline. Voilà, Lily Céline. Voici le thé. Mais pour prendre ça, elle va te purger le ventre. Tu prends ça le soir avant de dormir. Le matin, tu vas aller au WC. Le thé, Céline. Voilà. Ça te nettoie le ventre. Maintenant, tu prends aussi ça. Lily Céline, 3 boîtes. Ça te fait perdre de 0 à 15 kilos. 2 semaines. C'est 90 gélules, 3 boîtes. Donc voilà le produit. Lily Céline. Pour perdre le poids. Donc je te conseille de prendre les deux à la fois. 2 paquets de thé et 3 boîtes de Lily Céline. Tu vas voir comment ça va bien marcher. Ok, donc j'ai envoyé ce produit là, mais ce n'est pas beaucoup, hein. J'ai envoyé ce produit là en paquet. C'est un Viagra naturel. Tu le prends une heure de temps avant le rapport. Avant de le prendre, rassure-toi que la femme sera là et qu'elle va même dormir avec toi. Sinon, n'appelle pas mon nom après. Donc voilà le produit. Donc voilà un Viagra naturel. C'est bio. C'est le produit bio, non? C'est le produit bio. Voilà un produit pour ceux qui ont des problèmes de calvitie, chute de cheveux et barbe. Donc voilà le produit. On a le stock en France. On a le stock aux États-Unis et au Cameroun. Donc voilà. Donc, le produit pour la calvitie, chute de cheveux. Donc, vous voyez, non? Tu commences à avoir le vide ici, là. Voilà. Il faut déjà attaquer ça. Quand tu prends un liquide comme ça, tu mets à l'intérieur. Si tu veux la barbe, hein? Il y a des gens qui ont souvent les barbes gringrin là, qui ne remplissent pas. Tu vois un peu, non? Voilà, tu frottes. Hmm? Tu frottes. Voilà, tu vas voir le résultat.
Les femmes qui ont les chutes de cheveux ici, là, les mon vieux là, comme les petites sorcières. À l'époque, quand j'étais petit, j'avais peur des femmes qui ont les mon vieux là. Voilà, donc il faut utiliser ça. Voilà. Awayalo a essayé, hein. Ça l'a beaucoup aidé. Awayalo a perdu beaucoup de kilos. Ce qui me plaît avec Lily Slim, les gens confondent. Le produit, cela, ça ne fait pas perdre le poids. Hein? C'est juste un process, c'est un détox en fait. C'est un détox pour enlever le ventre. Parfois on est gros, mais c'est le ventre qu'on voit. Parfois on a le gros ventre, on pense qu'on est gros. Quand tu es étouffé, tu penses que tu es gros, non? Voilà pourquoi il y a des personnes minces qui pèsent plus que les personnes qui ont l'air gros. Non. C'est ton ventre là, c'est sale. Là, c'est un détox. Tu peux le prendre après avoir pris les trois médicaments, si. Comme tu peux le prendre en avance. Il faut d'abord finir un pour commencer avec l'autre, avant l'autre. Donc voilà. Ceci là, c'est pour le ventre là. Le ventre parfois ballonné. Voilà. Il y a même les sportifs qui ont le ventre ballonné. Donc voilà. Ok. Maintenant, voilà le produit Lily Slim. Donc voilà. Voici le café Bornéo. Voilà, les hommes, ton mari ne veut pas prendre. Hein, ton mari ne veut pas prendre les médicaments. Voilà un café qui va le soigner. Il prend ça le matin. C'est un café en cappuccino. C'est un café en cappuccino. Tu lui fais une tasse comme ça, tu le donnes. Une heure de temps avant de passer à l'acte. Il va voir comment son bide va se lever. Et que le bide de ton mari va se lever. Voilà le produit. Ok, voilà le produit. Le bide va se lever. Ouais, donc voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, les articulations. Oui, les articulations, il y a les produits, non? Ok, ok. J'ai envoyé le produit là. Articulation. Pour les articulations. Adelota. Didi, tu es où? En France. J'ai envoyé 10. Bah, ça coûte cher. J'ai envoyé 10 quand même. Voilà le produit pour les faiblesses sexuelles. Ceux qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Voilà le produit pour ceux qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Le paquet, c'est 5 sachets à l'intérieur. 5 sachets à l'intérieur du paquet. Café de Bornéo. Mais tu peux l'utiliser en un mois. Hein? Tu peux utiliser ça en un mois. Les 5 paquets là. 5 sachets là. Tu peux utiliser en un mois. Là, quand tu bois aujourd'hui, là, avant de passer à l'acte, toute la semaine, tu es vibré. Toute la semaine, tu es vibré. Toute la semaine, tu es vibré. Donc, ça n'est pas si tu achètes ça pour ton gars. Connais que la semaine là, il faut que tu le donnes. Voilà, parce que sinon là, je ne sais pas si tu peux pas dehors faire quelque chose. Tu n'en veux pour rien. Donc voilà le café de Bornéo. C'est un café naturel. C'est un café que l'animal a chié. Vous connaissez, non? Les Indonésiens, ils sont avancés ici là. L'animal a chié et ils ont développé. C'est quel animal là qui est viril comme ça là. 6, 83, 40, 97. 55. Voilà. 6, 83, 40, 97, 55. Voilà. Voici les produits pour la bouche. Tu souffres d'acide urique. Tu vois un peu, non? Déjà, quand tu marches le matin, là, tu bois. Quand tu te lèves du lit, tu bois. Tu bois là. Ok? Voilà. Quand tu appuies comme ça, là, ton pied qui est en feu là. Quand tu appuies ton pied qui est enflé, tu vois comment ça dure avant de sortir. Tu as l'acide urique. Tu as les symptômes de l'acide urique. Tu as mal aux articulations. Tu ne peux pas te mettre en genou. Tu souffres. Dans la voiture, tu ne peux pas porter les chaussures. Ça chauffe. Même pour appuyer l'accélérateur, tu as les problèmes. Donc, il faut m'appeler à mon numéro. Je t'envoie le numéro de celle qui livre en France. Donc, appelez-moi. Je vous envoie le numéro de celle qui livre en France. Parce qu'elle n'explique pas. Elle n'explique pas. Tout ce qui est un peu, qui va dans le sexe, par rapport à sa religion, par rapport à sa religion, elle n'explique pas. Donc c'est souvent mieux de venir vers moi. Ok? Je te passe le numéro de la dame qui me livre ça. Parce qu'elle n'explique pas. Elle vend seulement. Donc voilà. Quand tu m'envoies ton numéro, il y a quelqu'un qui va te répondre. Peut-être, je crois que j'ai peut-être. J'ai cloné mon téléphone. Mon numéro WhatsApp là. Donc voilà. Donc voilà le produit. Tu m'appelles à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Il y a aussi ce produit-ci là. Le thé pour les diabétiques que j'ai envoyé. Ok? Il y a le thé pour les diabétiques que j'ai aussi envoyé. Il y a aussi le thé pour le cancer.
Tout ce que je vous montre là, c'est préventif et curatif. Hein. Donc, même si tu n'es pas malade, voilà, il faut consommer. Préventif et curatif. Voilà. Le rhumatisme. Le rhumatisme, oui, je pense que j'ai envoyé. J'ai aussi envoyé les produits pour des lèvres qui sont. Ah, ça quoi là, les hémorroïdes. J'ai aussi envoyé les médicaments pour les hémorroïdes. Parce que j'ai beaucoup de clients qui m'achetaient ça et puis, bon, le transport coûte trop cher. Voilà, j'ai envoyé le produit pour le rhumatisme. J'ai envoyé le produit pour l'hémorroïde aussi. La muse qui sort là, quoi. Donc, voilà. Donc, voilà. Voilà le Super Love best-seller. OK? Voilà le best-seller. Tu vois un peu, non? Super Love best-seller. Pour durer sur la femme. Ceci, c'est pour durer sur la femme. C'est pour durer sur la femme. Tu emballes sur le bout de ton zizi comme ça. Même pendant 15 minutes. Tu laisses, tu enlèves, tu nettoies l'eau et le savon avant de passer à l'arbre. Petit frère, quand tu vas passer sur elle, elle va dire que le train est passé sur moi. Elle va suer. Vous savez, quand tu fais l'amour et que tu n'as pas sué, non, c'est pas l'amour là-bas. Non, non, quand tu sues là, quand la femme sue, elle va dire qu'elle-même va se coucher, elle va dormir. Parce que le manque d'amour, le vrai amour, l'activité sexuelle, le vrai, nous oblige à dormir. Les gens ont l'insomnie parce que les gens n'ignorent plus bien. Ah, tu n'ignores pas bien, tu ne dois pas dormir. Parce que la vraie ignorance, la vraie tourment, il met une nan. Obligé. Sommeil obligatoire. Il m'a une nan obligé. Que j'ai fait l'amour. Mais et tu ne dors pas. Tu ne dors pas là. Tu es en guerre. Tu cours, tu pars. Mais attendez, mais comment? Regarde bien ta vie à l'époque. Comment quand tu ignores c'est vrai là, tu dormais. Mais oui, les gars, on va voir le produit. Super Love best-seller. 5 étoiles. Produit qui a pris le pouvoir. Voilà. Donc, venez me contacter. Voici aussi les calciums. Les calciums indonésiens. Les gens me disent que Mama Diaspora, tu t'en sors comment? Tu travailles, tu fais comme ça, tu fais ça. Ça, c'est le calcium indonésien. Si tu as besoin de ça, on fait 120 dollars, je t'expédie. Moi, je ne vends pas moi ça. J'achète, je t'expédie. 120 dollars. Où que tu sois. Tu envoies 120 dollars, je t'expédie ce produit-là. Y compris avec le transport. C'est le calcium bio-naturel, sans effet secondaire. Voilà. OK? Donc, sans effet secondaire. Arrêtez de déranger les gens. Banga Diaspora, cherchez-moi le produit pour allonger le pénis. Mon frère, ça c'est quoi? Ça c'est quoi ça? Tu es déjà vieux, tu as 40 ans. Tu dis, tu cherches un produit qui va allonger ton pénis. Mais tu es sur ceci, il y a un gars qu'on peut amener dans le fond là. Hein? Les gens comme ça là. Quand quelqu'un grand, tu as grandi, tu es né, tu as grandi, tu as un certain âge. Ça veut dire que 40 ans déjà, bientôt 50 ans. C'est là où tu veux brutaliser ton corps. Il y a des choses qu'on cherche à faire parce qu'on est encore jeune. Comment? Tu veux allonger ton pénis, dis-moi. Comment? Hein? Ah! Mais c'est ton comme ça là. Tu as pris ça de ton père. Hein? Tu as pris ça de tes parents. Oh, faut arrêter les gens là comme ça. Vous emmerdez les gens parfois. Ok, vous emmerdez les gens. Ok, donc mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. À un certain âge, on a des problèmes, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. C'est la tête, le manque de sommeil. Le manque de sommeil. Le manque de sommeil. Et notre soeur a tout expliqué, les gars. Oui. Hein? Dans le restaurant, toc en cantine. Inside life. Dès que voilà un gars qui entre dans une famille, il ignore tout le gars. Il ignore, il est dedans dans la famille, il se balade. Il ignore ceci, il ignore cela. Ah, même le nom de notre 6 inversé est sorti dedans. Vous voyez? Et vous qui êtes là, petit frère, tu es là. Tu es l'enfant d'un pauvre. Tu es là. Le gars tourne que dans la famille. Il ignore cela, il ignore ceci là. L'année aussi appelle les problèmes. Hein? Ouais, les mouna bobola, les femmes surtout, elles sont souvent bêtes. Les mouna bobo aussi, c'est souvent compliqué. Je les vois souvent là. Je les vois souvent à Boulamou, ça dit, leur comportement. Ouais, c'est compliqué quand même. Hein? Les gars. Donc voilà. Et pour les femmes qui souffrent de problèmes de menstruer, voilà les règles douloureuses là. Voilà, quand tu règles, ça te fait tellement mal. Voilà une couche.
tu mets seulement sous ton bas ventre pendant tes règles, curatif et préventif. Il y a ça dans le collier, j'ai aussi envoyé ça. Voilà, j'ai aussi envoyé ça. Voilà. Voilà les masques. Les masques pour visage. Hein? Masques pour visage. Il faut s'entretenir, les gars. Voilà. Quand tu as 45 ans, 40 ans comme moi, là, avancé, tu dois t'entretenir. Arrête de dire que non. Non, non, il faut t'entretenir. Bien beau, tu vis dans un bon environnement, tout, tout, mais il faut t'entretenir, gars. Il faut t'entretenir. Il faut t'entretenir. Donne espoir à tes enfants. Hein? Tes enfants doivent se vanter à toi que notre père. Ah, oui, get ton répé. Oui, répé dans ton répé. Oui, c'est un répé, c'est grave. Voilà le produit. Voilà le produit. Donc, je vous conseille de m'appeler. Pour ceux qui ont besoin de mes produits, appelez-moi au plus 237 683 40 97 55. Mais je dis, ah ouais, peut-être tu as les problèmes, non? Peut-être tu as les problèmes de santé, qui connaît? Ça veut dire que tu as cédé à la déception. Il y a des femmes qui cèdent à la déception, hein, qui peuvent taper même 10 ans sans pignorcer. Parce qu'on t'a déçu, tu ne vis plus. Ça veut dire que tu peux tuer quelqu'un. Qu'une femme qui manque de rapport sexuel, c'est une criminelle qui s'ignore. Bah, tu n'as pas de dégâts. Ce sera. C'est-à-dire, on ne pourra même pas expliquer ça. Hein? Moi, tu as tapé 6 ans sans pignorcer, alors que tu es en liberté. Hein? Le mbit, reste le mbit, ma soeur. Mbit, nambit. Dans Gold Soul, dans Team, dans Machine, with it, quand Team, les histoires que vous enfoncez dans vos histoires là. Vous partez prendre des larges trucs demain matin. Oh, je ne te sens pas bien. Tu le sens pas bien. Tu passes ton temps à mettre les gros trucs dans tes fesses. L'ombite, c'est l'ombite. L'ombite est mou. Quand ça rentre comme ça, là, ça prend la grosseur de ton truc. Hein, c'est compatible. Mais tu peux prendre un truc qui n'est pas mou. Qui va entrer. Ça va seulement creuser. Ça va élargir. Demain matin, vous embrouillez les gens. Hein? Demain matin, vous partez, vous venez embrouiller les gens. Faut venir, moi, je te donne. Voilà une femme qui dit que. Voilà une femme qui dit que. Elle depuis 6 ans, elle n'a pas gnasse. Bon, viens alors, elle était gnasse alors. Viens, elle était gnasse. Il y a la chambre, hein. J'ai notre chambre là, alors je garde mes choses. Faut venir, il faut venir ici, là, voici ta chambre. Faut venir, j'arrange la chambre ici, là. Je te mets ici, là. Voilà, il faut venir. Voilà la chambre, voici le lit. Hein? C'est un lit ici, là. Hein? Judith, viens, voici ta chambre, viens. Il faut venir, tu te couches ici là. Voilà, et puis je sors souvent là-bas, t'es gnasse, n'importe quoi. Que ça fait 6 ans. Vous venez inciter les gens dans le direct. Qui t'a appelé ici là? Tu es obligé d'être ici là. Hein? Nous on pense à notre vie, tu viens de dire comment tu as fait 6 ans sans faire gnasse. Tu imagines une fille qui n'a pas gnasse depuis 6 ans. C'est bon jusqu'à la maïs, seulement le feu sort. Quand une femme n'a pas gnasse depuis 6 ans, quand tu l'arrêtes toi-même, tu sens que non, tu as arrêté une vraie femme. Et pas les femmes sorcières. Il y a ça, tu as fait 6 ans sans gnasse. Mais tu n'as pas utilisé les gold, non? Les trucs artificiels, là. Voilà. Parce que vous êtes nombreux comme ça. J'ai fait 6 ans sans gnasse. Mais c'est vous les mêmes à dire que je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Parce que vous comptez dans vos histoires, là. Hein? Quand vous interdisez que les gens viennent chez vous parce que vous avez toute forme de machine. Toute forme de machine. Les baraboteuses, les bassis, en forme, tout ce qui est bizarre, faut que ça entre seulement. Hein? J'ai pas besoin d'un homme. Tu fais comment alors pour vivre? Faut arrêter ça. Voilà. Non, bro, les gens ici là. C'est sûr que c'est un faux profil de Sandrine Chamba. Parce que vous êtes comme ça là. Tous les adeptes de. Mais c'est votre reine, mais c'est reine de. Mais c'est la reine du diable, mais c'est la reine quoi là, mais c'est la quoi de quoi. Ouais. Voilà. Dans la famille, je vais vous laisser. Ok, on est ensemble. Big up. Je vous aime. Donc, appelez-moi. Tous ceux qui ont besoin de mes contacts, appelez-moi au numéro plus 237. Ok, plus 237. Les gens sont en train de faire le direct, tu veux les embrouiller. 46 83 40 97 55. Voilà. Voilà mon numéro, hein, que j'ai épinglé. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Ah bon? Hein? Non, je suis là. Mon nombre de fois me suffit déjà.
Moi, j'ai là 11 femmes. Je suis un polygame, j'ai là 11 femmes. Toi, là, Judith Awala. C'est pas Awa Yalo qui est parti changer un faux profil comme ça, là. Awa Yalo. C'est pas elle, par hasard. Faut pas faire ça. Hein. Voilà. On est ensemble. Mon numéro, c'est un numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. C'est juste le WhatsApp. C'est juste WhatsApp. Maintenant, mon numéro pour appeler, mon numéro, c'est le 6 96 94 32 42. 6 96 94 32 42. Voilà mon numéro WhatsApp qui passe. Voilà mon numéro direct qui passe. Plus 237. Ok, plus 237, 6, 96, 94, 32, 42. Voilà, voilà mon numéro qui passe. Et ça passe au Cameroun. Voilà, j'ai mon gars qui gère les choses là-bas. Ouais, ma fille. Plus 237, 6, 96, 94, 32, 42. Voilà. Voilà. J'ai 11 femmes. J'ai 11 femmes. Quel est ton problème? Hmm? J'ai 11 femmes. Et tous les 11 femmes ont la maison. J'ai 11 femmes. Toutes les 11 femmes ont la maison. Donc la polygamie n'est pas pour les pauvres. Il faut avoir un peu. Voilà. À bon entendeur, on est ensemble.